aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une guitare avec un bâton de hockey. Déjà, le premier problème que je rencontre, c'est que le hockey a l'air un peu mou. Fait que je vais probablement être obligé de refaire le manche. Je vais peut-être juste garder la palette. Je vais peut-être refaire la palette aussi. Finalement, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette crise de hockey-là. Si je suis tanné, je m'en vais me pendre. Non, pour vrai, aujourd'hui, je vais faire une guitare à une corde, plus communément appelée un Djent stick. J'ai aussi demandé à un de mes amis, Tommy Ovington de Ovington Instruments, de me faire le fingerboard. Si vous voulez voir comment il est fait, je vais mettre le lien juste ici ou dans la description. Alors voilà, on s'en va faire ça!
Alors voilà le travail, voici la guitare hockey. Avant de vous montrer comment ça sonne tout ça, j'aimerais prendre 30 secondes pour remercier mes commanditaires. Premièrement, IMG Pickups qui m'ont envoyé gratuitement un pick-up actif pour installer sur cette guitare-là. J'aimerais également remercier Trash Amps qui m'ont envoyé un mini ampli de guitare comme ça. C'est un ampli que vous pouvez assembler vous-même, qui s'installe dans un pot maçon, ça vient avec une batterie rechargeable comme ça, c'est fantastique. Ça sonne quand même très bien, vous allez le voir tantôt. J'en ai trois de ça à faire tirer, donc si t'en veux un, t'as juste à cliquer sur le lien du concours dans la description. J'aimerais finalement remercier Tommy Ovington qui s'est occupé de faire le fingerboard, qui a fait deux fois le bridge parce que j'ai pété le premier. Merci Tommy. Il s'est occupé de la note ici. Donc encore une fois, si vous voulez aller voir sa vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Ça fait un total de 386 liens maintenant. Ah oui, puis j'avais oublié de vous dire, cette guitare-là s'en va directement en Norvège. Je l'envoie à Lio Moracchioli. Moracchioli. Je l'envoie à Lio. Je sais pas ce qu'il va faire avec ça. J'espère que ça va se rendre sans se briser. Carlis. Parce que j'ai mis quand même pas mal de travail là-dedans, puis on a dépensé quelques dollars aussi. C'est pas le transport qui m'inquiète, c'est les enfants chiens aux doigts. Bon, c'est le temps de voir comment ça sonne tout ça. Ça sonne très bien. Ça sonne très bien pour un bâton d'hockey, mais ça sonne quand même bien. Fait que je pense que ma job est finie pour cette fois-ci. On se revoit la semaine prochaine, mais on va essayer de faire un drum avec une souffleuse à neige.